Oh la Parseur. Coucou. Arrête, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as écrasé les martiens? Salut internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence, je vais vous parler d'un parieur pro. Et écoutez bien, écoutez très attentivement, c'est gratuit jusqu'en janvier. Donc profitez-en vite là. Pas besoin d'inscription, tout se passe sur Telegram. Il a une méthode très efficace pour gagner de l'argent. C'est le seul à proposer cette stratégie et ayant une confiance pouvant aller jusqu'à 80% sur des paris safe. Ok ? En plus de ça, il a un objectif de 30 000 euros pour cette saison. Le lien est dans la description, c'est The Bulky. Vous allez entendre parler de lui, ne vous inquiétez pas. Très pro et efficace. Le lien Telegram est dans la description. Je vous laisse maintenant avec la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas d'aller le rencontrer sur Telegram, c'est gratuit jusqu'en janvier 2022. Bisous. Moi je suis désolé, hein. Je pensais pas, tu vois, qu'il se retrouverait comme ça. Ah, ouais, c'est pas grave, elle va s'en prendre une dans pas longtemps. Mais t'avais qu'à être à la hauteur. Mais je suis de ma gueule. Regarde ce corps. Mais ce corps de quoi? Et alors qu'est-ce que tu me dis? Aïe. Bon les amis, il y a quelques années de ça, quand j'étais au collège, entre la 5ème, la 4ème, j'étais amoureux d'une fille, enfin je voulais sortir avec une fille qui était dans mon collège. Et cette fille en a profité d'une part pour me dire non, je ne veux pas sortir avec toi. Mais en plus de ça, elle s'est moquée de moi parce que j'ai osé lui demander de sortir avec elle. Donc peut-être que tout le monde a connu ça, hein, au collège, quand on a envie de sortir avec une fille, la fille elle veut pas. Et après elle se moque de vous avec ses copines et avec les autres collègues qu'elle connaît dans le même collège. Ben figurez-vous que cette fille, 10 ans après, donc aujourd'hui, m'a envoyé un message sur Instagram pour me demander des nouvelles et pour voir si on pouvait se rencontrer. J'ai tout de suite accepté, hein, bien évidemment. Moi, je suis en couple. Ça fait 7 ans que je suis en couple. C'est énorme, 7 ans. Donc, si je donne rendez-vous à cette femme, c'est pas pour sortir avec elle, c'est pas pour la draguer, mais c'est pour lui rendre la monnaie de sa pièce de ce qu'elle m'a fait il y a 10 ans. Étant persuadé qu'elle vient uniquement pour mon buzz ou pour l'argent, j'ai fait en sorte de préparer le coup, de prendre mon caméraman, de mettre des caméras et de filmer la scène. Ce que vous allez voir est complètement ahurissant. Si vous avez jamais vu des vrais michetos, là vous allez en voir une. J'espère que cette vidéo vous plaira. Ciao et bon visionnage à tous. Bon, les gars, là je suis un peu en avance, elle devrait pas tarder. Donc j'ai donné rendez-vous devant mon ancien collège. Je sais pas si elle vient en voiture ou à pied ou en bus, j'en ai aucune idée. Ok, elle arrive. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Ça fait longtemps, hein? Alors? Ça va. Tu vas bien? Et toi? Ça va, ça va. Tu es bien, tu as changé? Ah ouais? Ouais, tu es bien? Merci. Ah bah toi aussi, tu as changé. Pas trop, mais ça va quoi. Viens, on se met au soleil, il fait un peu froid. Alors? Qu'est-ce que tu racontes? Tu deviens quoi? Pareil, ça a pas changé, je suis toujours vers là, moi. Et comment ça se fait? Enfin, comment tu m'as retrouvé? Sur les réseaux. J'ai vu que tu fais des vidéos. Ouais. Tu fais plein de vues, même, j'ai vu. Hein. Ouais, ouais. Bah oui, je t'ai reconnu, je te connais. On a parlé un peu quand même avant. Mais pas trop, à l'époque. Un petit peu quand même. À l'époque, on était au collège, c'était pas trop ça. Hein. Moi, je voulais sortir avec toi, et toi, tu voulais pas. Non, enfin, je sais pas. Non, mais c'est pas que je voulais pas. Hein. Rappelle-toi, même, tu te moquais de moi et tout. Ouais, tes copines. Merci, je me rappelle. Tu l'as pris comme ça, mais on se moquait pas. Et tu m'avais fait croire pendant un moment que tu voulais. Après, tu t'étais moqué de moi et tout, donc c'est pour ça que je suis assez surpris, tu vois, de ta venue, quoi, tu vois, de ton approche. Bah, parce qu'après, je t'ai revu sur les réseaux. Mais c'est quoi? C'est parce que je fais des vidéos sur YouTube? Non, c'est parce que je t'ai revu, je le connais, on était au collège ensemble, donc ça m'a fait venir te parler. Et tu es en couple, là, en ce moment? Non. Pas du tout? Pas du tout. D'accord. Et du coup, t'as regardé toutes mes vidéos, alors? Oui. J'ai tout vu. Tu as tout vu? Oui. Bah, je me dis pas mal, déjà. Mais comment tu expliques qu'avant tu voulais pas sortir avec moi parce que tu me trouvais pas à ton goût? Mais tu as changé? Bah, j'ai toujours la même tête. C'est non, pareil, la même tête. Bah, si. Mais non, j'ai pas changé, je me suis pas métamorphosé. Genre, j'ai toujours la même tête, j'ai pas la même gueule que toi. J'ai embelli. Oui, j'ai embelli. D'accord. Après, je suis revenu vers toi, j'ai fait les portes de revenir vers toi, je t'ai vu. J'ai dit, c'est bon, j'ai dit, on se connaît. Je me rappelais même pas de ce qui s'était passé avant, j'ai juste vu. Je me rappelle. Ça a changé, ça a évolué. Ouais, j'ai changé, mais pas physiquement. Physiquement, je suis toujours pareil. Toi, physiquement, t'as pas changé, tu vois. T'es toujours pareil, toi aussi. Ouais, mais maintenant, tu fais quoi? Tu fais tes vidéos, tu donnes de l'argent.
Ouais, j'ai une belle voiture, j'arrive à rouler en... C'est quoi, c'est Tesla? Tesla. Si vous avez une autre voiture aussi avant. Une belle voiture aussi quand même. Ouais. Pourquoi tu l'as plus celle-là? Parce que c'est pas... C'est pas mieux Mercedes? Non, c'est mieux Tesla. Ah ouais? Ouais, ouais. C'est mieux Tesla, je te jure. Je connaissais déjà la Mercedes. C'est mieux Tesla? Non, je connaissais pas. Et on peut pas aller faire un tour, aller faire des boutiques ou quoi? Faire des boutiques? Ben, y'a rien de fou à faire là, regarde, c'est déjà l'après-midi. Et tant qu'on repart pour le cinéma, ça va être compliqué. C'est bien si on va faire les boutiques. Après, tu es pas obligé, ça te plaît pas. Non, on peut aller. Si tu veux, je t'emmène à Cannes, tu veux? Ah, bah oui, moi, franchement, j'adore aller là-bas. Ah ouais? Et tu fais quelle boutique quand tu vas là-bas? Ouais, j'aime bien aller sur les belles boutiques, les beaux endroits. Non, c'est sûr que les habits du marché, c'est pas trop mon truc. C'est pas une femme de marché, toi? Non, j'aime pas trop ça. Le collège, c'est quoi que tu as au niveau du coup? De quoi? Ah, ça? Ouais. C'est comme une montre connectée, tu sais? C'est pas comme si je fais des appels, je parle direct là. Ok, d'accord. Tu vois comme ça, le mec. J'ai pas besoin de téléphone. Bah, ça coûte comme. Ouais, ça coûte un peu cher. Ouais. J'ai la voiture garée là-bas, tu es avec moi? Bah, oui, donc moi, allez. Allez. Tu es garée là-bas? C'est la tienne, ça? Ouais. Je verrai pas si tu mon bras là. Un peu, mais bon, c'est pas grave, t'inquiète. Parce que je suis gênée, c'est tout. Ah, mais c'est vrai, je suis gênée. Tu vas prendre l'habitude. Comme ça, aller dans les magasins et tout, quand même, quand t'as un peu de temps. Ouais, c'est sûr. De quoi? J'avais jamais vu ça, c'est trop stylé. Hein? J'avais jamais vu ça, c'est trop stylé. Ah, t'as mis? C'est confortable ta voiture. Merci. Et tout ça, l'écran, c'est pour ta voiture? Ouais. C'est trop bien, c'est stylé, je peux toucher? Non, évite un peu quand même de te toucher parce que ça va dérégler. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu fais quoi toi après le collège? Rien. T'as rien fait? Non. Je me suis arrêtée en troisième et j'ai fait ma vie. Et du coup tu cherches un mec qui gagne bien sa vie, ça. Tu veux travailler plus tard? Si je peux éviter. Ah. Je me lever tous les matins, c'est pas fait pour moi. Ouais d'accord, mais bon, il faut travailler dans la vie. Tu peux pas tout d'abord sans travailler. Pour moi, ça m'arrive si bien. T'as eu des mecs avant? Avant d'être célibataire, t'as eu des mecs ou pas? Oui, j'ai eu. Ah ouais? Et pendant que t'étais avec eux, tu travaillais pas? Non. Je sais pas, normalement. C'est eux qui t'entretenaient, c'est ça? C'est pas m'entretenir, c'est qu'ils me faisaient plaisir. Ah! C'est toi qui les as quittés ou c'est eux? Oui, c'est moi, je les ai quittés. Pourquoi? Je me lasse vite. Ah, tu te lasses vite. J'aime bien avec la mort. J'ai besoin d'être avec quelqu'un avec qui je m'ennuie pas. Avec un mec comme toi, c'est sûr qu'on va pas s'ennuyer, tu changes de voiture. Là, tu vas mal à Cannes et tout, donc... Ouais, c'est vrai. Ça sent que tu es différent des autres. Ah ouais. Et sinon, YouTube, ça te rapporte bien? Bah ça va, écoute. Hein. Attention, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. On gagne pas des millions, mais ça va, quoi. Et comment t'arrives à te payer la belle voiture et tout ça? C'est avec YouTube? Je dirais que ça va avec le travail. Mais ça a beaucoup de travail non plus YouTube. Ouais, c'est quand même. C'est pas juste faire des vidéos comme ça, tu vois. Non, non, plus je travaille à côté en plus. J'ai un boulot à côté. Tu fais quoi? Je travaille à la ville de Marseille. Tu continues à travailler? C'est moins intéressant, t'as pas. Tu sais, y a rien de pas intéressant dans la vie. Du moment où t'es heureux. C'est pas ça. Bah oui, pourquoi? Sinon j'aurais arrêté. Par contre, je crois que j'ai oublié ma carte bleue. De quoi? J'ai pas ma carte bleue, je crois que je l'ai oubliée. Ah. Ouais, je la trouve pas. Je crois que je l'ai oubliée. Ça te dérange pas de. C'est marrant, ça, si. Il y a des choses qui m'intéressent. Non, t'inquiète, pas de problème. Merci, c'est gentil. De rien. Moi, je pensais que je l'avais, mais. Non, je l'ai pas. Mais genre, ta carte bleue, elle sert à quoi si tu travailles pas? Non, après, on me met de l'argent dessus. Ah. Qui? Qui c'est qui te met de l'argent? Ça dépend, mon père. T'as pas des aides un peu, le RSA? T'as pas. J'ai la flemme de faire les papiers, les trucs comme ça. J'en ai pas besoin. Le RSA, ça fait quand même un peu pas vous dire que les autres te disent. Sous RSA, on a l'impression que. J'ai trop contente qu'on aille à Cannes. En plus, il y a le magasin Louis Vuitton là-bas et il y a un sac qui vient de sortir. J'aimerais trop qu'on aille le voir. Ok, tu veux que je te. Ok, ça va, pas de soucis. De toute façon, moi j'ai la carte. T'as pas faire vu qu'on est là-bas, qu'à la boutique. Ah, c'est sûr, t'inquiète, y'a pas de soucis. Ok,
plus aller voir là-bas que commencer en fait. Et surtout s'ils ont mon sac. Sinon, je serais trop contente. Je fais quoi? Là, j'envoie un message à une collègue. Ah, non, 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 c'est pour lui dire que je devais aller le voir tout à l'heure, tu vois, mais du coup, comme je suis avec toi, j'ai pas allé le voir, tu vois. Ah, d'accord, c'est gentil, merci. Mais vraiment, je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir d'aller dans les magasins avec elle. Ah, oui, je serai dans le dossier quand je serai retrouvée. Ah, ben j'espère, un minimum quand même. Je vais sortir, je vais à l'aire d'autoroute, hein. Comme le trajet va être long, je te conseille d'aller aux toilettes ou quoi. Ah ouais, ouais. Du coup, on va manger là-bas. Ouais. Bon, ça va, parce que comme j'ai rien fait. Mais c'est mieux qu'on mange directement là-bas sur place, il y aura des plus jolis restos que ici. Oui, c'est sûr. Ah, ça va, il y a des toilettes là. Je te laisse là. Parfait. Vas-y, va aux toilettes. Comme ça, après moi, j'y vais. Bon, ouais, c'est sûr que pour manger, on mange après, hein. Ouais, 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 t'inquiète. On ira à un restaurant. Ouais, ouais, t'inquiète. Je vais aux toilettes et je reviens. Moi aussi j'y vais après de toute façon. Ok. Donc là les gars, ce que je vais faire, je vais attendre qu'elle revienne. Et dès qu'elle revient, et je vais la laisser ici. Elle arrive, elle arrive. Je vais ouvrir un peu la fenêtre. T'arrives pas à ouvrir? Non, j'arrive pas à ouvrir la porte. Vas-y, réessaye. Alors, ça, c'est la porte bizarre. Non, mais là, non, il y a la poignée, elle est fermée. Ah. Tu as ton sac sur toi? J'ai mon sac, mes affaires. Ben voilà, ben, je pense que tu vas rester là. Pardon, j'ai pas compris. Je pense que tu vas rester là. J'ai un truc que j'ai pas compris. Tu peux rouvrir la fenêtre avec tes bras? Non, je pense que tu vas rester. Non, du tout. Parce que je t'explique, ça m'intéresse pas les femmes comme toi. D'accord. Pourquoi comme moi? Moi, je suis en couple depuis 7 ans déjà. Et je savais très bien que tu étais une michto. Et j'ai même fait ça, et j'ai même fait ça parce que au collège, tu m'as fait la misère. Et aujourd'hui, tu sais très bien de quoi je parle. Non, pas du tout. Tu sais très bien de quoi je parle. Et aujourd'hui. C'est quoi me faire ça maintenant? Si tu me laisses pas parler, ça va être compliqué. Mais t'as un pied? Si tu me laisses là, tu crois que quoi? Eh ben laisse-moi parler. Mais non. Bon, écoute, c'est pas grave. Donc, tu peux m'ouvrir la porte, s'il te plaît? Elle est fermée, elle restera fermée la porte. Tu prends. T'as vu toi? Mais écoute-moi. Ah, écoute-moi. Tu vas prendre. Tes responsabilités, tu vas chercher du travail. Ouais, tu vas travailler. Tu vas arrêter de compter sur les mecs pour t'entretenir et sur ton père et tu vas trouver du travail. Et arrête d'être michto comme tu l'es. Je suis pas une michto. C'est une grosse michto. Une grosse michto. Oui, oui, tu es une grosse michto. Ah. Oui. Donc là, en fait, moi, je reste comme ça. Et t'as vu mes vidéos? Ouais. Bah, tu es en plein dedans. Tu seras en plein dedans parce que depuis tout à l'heure, depuis le début, t'es filmé. Et t'inquiète pas que. Donc, moi, je reste là comme ça. Ouais, tu restes là comme ça. Pour te faire comprendre que la vie c'est pas un film de. Ah, là, hein? Voilà. Allez. Ouais, ouais, je te que ouais, voilà. Allez. Il est en train de faire du stop en plus. Je sais pas qui c'est qui va la récupérer, mais il est mal barré. Hein. J'espère qu'il a de l'argent sur lui, hein, parce que je pense qu'elle va tout lui prendre. Thank you.